Oui, bonjour, monsieur Jadot. Ça bonjour. Vous plaidez pour un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Euh, moi, je vous pensais un Européen convaincu. Est-ce que ce n'est pas mettre en danger nos partenaires européens que de prendre une telle décision Je pense notamment à l'Allemagne. Absolument pas. C'est surtout parce que je suis un Européen convaincu que je ne supporte pas qu'il y ait une guerre sur le sol européen que je ne supporte pas qu'il y ait des crimes de guerre qui sont perpétrés tous les jours contre les populations civiles et que, euh, vous savez, euh, les importations de gaz et de pétrole russes financent pratiquement pour moitié les recettes du budget russe. C'est-à-dire que le carburant de la guerre que mène Vladimir Poutine en Ukraine, c'est euh, nos importations de gaz et de pétrole. Et ce que je propose, c'est justement un grand projet européen, c'est à la fois avoir un acheteur unique européen pour le gaz et pour le pétrole, pour qu'on n'ait pas cette compétition entre pays, pour qu'on fasse comme les vaccins. Et d'ailleurs, je vois que cette idée maintenant est reprise par la Commission européenne, tant mieux. Je veux aussi, à l'échelle de l'Europe, suspendre les directives européennes, notamment sur la construction des prix, qui fait qu'en fait, les Européens sont victimes aujourd'hui des tensions autour du gaz, même quand notre électricité ne vient pas du gaz. Et